Maman Mobutu. Aujourd'hui, plusieurs propriétaires ont abandonné leur maison à cause, entre autres, de l'insécurité. C'est l'unique dossier de ce journal magazine. Vous aurez également droit à la rétrospective de la semaine. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal magazine. Après 3 nuls en phase de groupe par les deux sélections, pour les deux sélections, la République démocratique du Congo, avec ses 2 buts marqués contre 2 encaissés, sera face ce soir à 21h heure de Kinshasa, bien sûr, à une sélection égyptienne qui a marqué 6 buts des sabres. Le sélectionneur national congolais va compter sur l'entièreté de son effectif, a-t-il dit. On l'écoute. Quand on regarde ce qui se passe devant, derrière, il y a des stats, il y a eu des choses. Maintenant, on est, je pense, dans une nouvelle compétition où on a beaucoup travaillé pour atteindre ces huitièmes de finale. On est, comme je le disais depuis le début de la compétition, dans un rôle de challenger. On le sera aussi contre une belle équipe d'Égypte qui reste en 3 ans sur... 2 finales, c'est l'équipe qui est la plus titrée dans la compétition. On connaît la capacité de l'Égypte, c'est un top 5 du top africain. Nous, c'est l'objectif qu'on a, c'est d'arriver à terme dans ce projet-là, d'être dans le top 5. Donc il nous reste beaucoup de travail et c'est une superbe opportunité pour nous, encore une fois, de s'évaluer avec nos forces contre cette équipe. Donc nous, on est calme. On est confiant parce que on a montré des choses intéressantes qu'on n'a malheureusement pas validées par une victoire, mais on a été solide défensivement et on sait ce qu'on a à faire demain et on va jouer notre jeu et on sait qu'on sera difficile à jouer également. On n'a pas pleuré pour ça à cause de l'absence de Salah. Et nous allons arranger les choses pour le jeu. Donc, juste pour vous guider, nous parlons du match entre l'Égypte et la RDC. Donc, nous pouvons nous focaliser sur ça. Et en rapport avec ce match opposant les pharaons d'Égypte aux léopards de la République démocratique du Congo, le ministre de Sport, Claude-François Kaboulo-Mwana-Kaboulo, en appelle au soutien de tous afin de pousser les fauves congolais à une victoire. On l'écoute également. La République démocratique du Congo et l'Égypte se rencontrent. C'est vrai que lors des 3 dernières rencontres, bon, on a perdu, mais sur des scores très très serrés. Mais ce sont des équipes qui se connaissent bien, qui se respectent bien. Il est vrai que côté congolais, il y a une nouvelle génération qui arrive avec une nouvelle mentalité. J'ai rencontré ces joueurs avant qu'ils n'aillent se coucher. Il y a de la sérénité au sein du groupe, il y a de la détermination. J'ai transmis le message du président de la République qu'il a annoncé lors du dernier conseil du gouvernement, le message qui traduit l'appui total du peuple congolais derrière cette jeune formation. Et on souhaite que les gars, les maillots, ils sont déterminés, ils vont jouer jusqu'à... Voilà, on va quitter le sport pour la politique. C'est demain, lundi 29 janvier, que les députés élus et réélus vont se réunir au Palais du Peuple pour une nouvelle session extraordinaire. Les élus du peuple de la 4e législature se font déjà identifier, nous dit Chimène Kamoka dans ce reportage. Comme il est de coutume, après les élections législatives nationales, avant d'entamer une nouvelle législature, les nouveaux élus comme les réélus se font identifier au secrétariat général à l'Assemblée nationale avant l'ouverture de la session extraordinaire dont l'ordre du jour est l'installation du bureau d'âge. Je félicite sincèrement mes électeurs pour l'amour qu'ils témoignent à ma modeste personne. Je me suis occupé beaucoup plus de la campagne du chef de l'État que ma propre campagne. Mais puisque la population m'aime, j'ai été élu. Je leur dis grand merci qu'ils continuent à compter sur ma modeste personne.
La lèpre touche encore 3 millions de personnes à travers le monde. Cette journée qui est célébrée le 29 janvier de chaque année est une occasion de célébrer les malades de la lèpre, mais aussi une occasion de sensibiliser les autorités sur les conditions des lépreux. Crodé Panda a représenté la RTNC à une conférence de presse sur la lèpre. Reportage. La journée mondiale de la lèpre est célébrée chaque dernier dimanche du mois de janvier. Pour la célébration du 71e anniversaire de cette année 2024, le Programme national de l'élimination de la lèpre, PNL, a réuni les hommes des médias à son siège de Cabinda pour une matinée d'information et de sensibilisation, placée sous le thème international « Vaincre la lèpre » et ses conséquences, appuyées par les sous-thèmes choisis au niveau national, non à la stigmatisation, oui à la dignité des personnes affectées par la lèpre. Cette vision prouve la détermination de la communauté, tant nationale qu'internationale, d'éradiquer ces fléaux. Différents exposés présentés par les experts et spécialistes pour expliquer les causes de la contamination, les symptômes, les statistiques, le traitement et comment éviter la lèpre. La lèpre est une maladie silencieuse, dangereuse, mais guérissable, avec un diagnostic précoce suivi d'une prise en charge médicale constituée de 3 médicaments pour une durée allant de 6 à 12 mois de traitement, selon le nombre de taches déjà enregistrées au niveau de la peau. Le président est en train de prôner la couverture santé universelle. Nous devons travailler que toute personne qui souffre de la lèpre ne puisse pas être exclue du diagnostic et du traitement. Une fois examiné, qu'on l'a étiqueté personne affectée par la lèpre, la personne sera traitée gratuitement. Quelques anciens lépreux n'ont pas hésité de témoigner. La lèpre existe encore. Elle n'est pas une maladie ancienne, comme le pensent d'aucuns par ignorance. Des milliers de cas sont toujours détectés. Pas de discrimination aux personnes affectées par la lèpre. Pas d'exclusion. Il faut plutôt craindre la lèpre et non la personne affectée. C'est donc la recommandation en définitive formulée par tous. Lutte contre le travail des enfants dans les mines, une journée culturelle a été organisée à l'attention des élèves de l'Institut Toussa Ndié dans la cité Gécamine à Kolwezi. Nous sommes là dans la province de Kolwezi. Reportage. C'est dans l'enceinte de l'Institut Toussa Ndié de la cité Gécamine Kapata de la ville de Kolwezi que s'est déroulée l'activité liée à la sensibilisation contre le travail des enfants dans les mines. Ça s'inscrit dans le cadre du projet de combattre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement du cobalt en RDC, Koteko en sigle, initiative de l'Organisation internationale du travail. Tout d'abord, c'est Madame Nombana, chef du projet Koteko, qui a prononcé son mot de circonstance. Le chiffre ressortit du système de suivi et de rémédiation des enfants, que nous appelons SSRPE, mené en 2023, a dénombré 769 enfants, dont 479 filles et 293 garçons, dont l'âge varie entre 5 et 17 ans, sur 3 citoyens qui sont Kapata Kabilombe, UC Catherine et Chala. Il nous faut donc déployer de multiples approches pour sensibiliser et lutter contre le travail des enfants dans les mines. Elle sera suivie par le ministre provincial du budget, Mathieu Kazembe, représentant la gouverneure empêchée. Il a ainsi salué cette initiative qui combat la présence des enfants dans les mines. Il s'en suivra sketch, chant, poème, illustrant le danger lié à la présence des enfants dans les mines par les élèves de l'Institut Toussa Ndié. Des messages adressés aux autorités ont été ensuite lus. Aidez-nous à lutter contre le travail des enfants dans la mine, dans la carrière, pour l'avenir de la RDC et pour l'avenir de ces enfants. Je vous remercie. Maman Fifi, votre lettre va lui arriver dans les quelques minutes qui suivent. C'est en toute convivialité que s'est clôturée cette manifestation. C'est la deuxième partie de ce journal magazine. La République sud-africaine réitère son engagement à accompagner la République démocratique du Congo dans le cadre de la SADC pour la restauration de la paix durable dans l'est du pays. Le ministre sud-africain Jeff Ratebe l'a dit au chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo la semaine du président Jean-Pierre Kibambe. Somoïsa.
Réélu avec une très large majorité de voix pour un deuxième mandat de 5 ans, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans son discours d'investiture, exprimé son engagement ferme à répondre aux attentes de la population congolaise qui lui a réitéré toute sa confiance. Ce nouveau quinquennat aura pour objectif de créer plus d'emplois, a dit notamment le chef de l'État, qui a pris l'option de résorber les chômages par la création de plusieurs emplois. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rappelé ses engagements majeurs de sa deuxième mandature, à savoir plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services de base et des services publics plus efficaces. Il s'agit pour nous de transformer durant les 5 prochaines années les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère, a souligné le chef de l'État. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le ministre sud-africain Jeff Radebe, porteur de message du président sud-africain Cyril Ramaphosa à son homologue de la RDC. Nous soutenons le gouvernement et le peuple congolais afin de ramener l'unité, la sécurité et la prospérité, particulièrement dans l'est de la RDC. Nous faisons partie de la SADC pour s'assurer du maintien de la paix et la stabilité dans la région, a indiqué l'envoyé spécial du président sud-africain au sortir de cette entrevue. Mettre les ambassadeurs, les représentants de la République démocratique du Congo dans différents pays à travers le monde dans des conditions optimales de travail afin de redorer l'image du pays à l'étranger, c'est une des préoccupations majeures du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a échangé sur le sujet le jeudi à la Cité de l'Union africaine avec les diplomates congolais en séjour à Kinshasa. Les doyens et porte-parole des diplomates congolais, l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Baloumouéné, a souligné que le président de la République a été très attentif aux doléances de ses interlocuteurs, dont il a pris bonne note. Il a promis de répondre à toutes les préoccupations. Pour le reste de l'actualité, sachez que le tronçon Malanga-Luozi-Kingoi sur la nationale numéro 12 est en plein aménagement. Cette route dont les travaux sont exécutés par l'office de route mène vers le village Ntsuku où sera inhumé le leader de Bundu Diakongo, né Mwandansemi. Et ici à Kinshasa, l'avenue Nguma au niveau de l'entrée Montfleury est en plein travaux de réhabilitation. D'autres éléments dont ce commentaire signé Blandine Wavingana pour la semaine en 5 minutes. Les habitants du quartier Montfleury et ses environs à Kinshasa Ngaliema doivent prendre leur mal en patience. Les travaux exécutés sur l'avenue Nguma s'intensifient et pourront prendre fin dans quelques jours. Processus électoral, la CENI a bouclé cette semaine avec la publication des résultats de tous les scrutins du 20 décembre 2023 par les conseillers communaux. Sur les 50 000 candidatures enregistrées par la CENI, 915 ont été élus sur toute l'étendue du territoire national. Le Kasaï central en proie à plusieurs têtes d'érosion. Cette semaine, une tête de locomotive de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, a déraillé sur la nationale numéro 41 à Benaleka dans le territoire de Demba. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels considérables enregistrés. En politique, une nouvelle plateforme a vu le jour à Kinshasa. Il s'agit de PCR, Pacte pour un Congo retrouvé, qui est composé des AA, UNC, de Vital Kamerhe, AAAP de Tony Kankou, Alliance Bloc 50 de Ginette Paluku et Coalition des démocrates COD et de Jean-Lucien Boussa. Cette initiative de Vital Kamerhe vise à former une alliance politique solide en vue d'apporter au président de la République le soutien nécessaire à l'accompagnement de sa vision pour la RDC. Parlons civisme, l'hymne national debout congolais doit se chanter dans les 4 langues nationales. La Fondation Père Boka a initié cette semaine une campagne de sensibilisation à ces sujets. En infrastructure, la route Malanga-Luozi-Kingoi dans le Congo central est en plein aménagement. Ce tronçon sur la route nationale numéro 12 mène vers le village Nsuku Malambo où sera inhumé le leader mystico-religieux du secte Bundu Diakongo, né Mwandansemi. Une façon pour le gouvernement de rendre un hommage mérité à ses dignes fils du pays.
Marche de protestation contre le mariage forcé et précoce imposé à la jeune fille congolaise a été organisée le jeudi dernier par les associations féministes et partenaires du ministère du Genre, Famille et Enfants. Tout est parti de l'arrestation du pasteur qui avait épousé une mineure. Cette marche a débuté sur 24 novembre et a pris fin au ministère de la Justice dans la commune de la Gombe. La police nationale congolaise s'insurge contre le banditisme urbain dénommé Kuluna. Le commissaire général de la PNC, ville-province de Kinshasa, a supervisé dernièrement une opération pour traquer ces inciviques dans différents commissariats de la capitale. Objectif, mettre ces délinquants hors d'état de nuire en vue de ramener la quiétude au sein de la population. Et pour terminer en sport, la RDC est qualifiée en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations après la tenue de son match contre la Tanzanie. Les Léopards de la RDC vont affronter le dimanche 28 janvier les pharaons d'Égypte au stade Laurent Pokou de San Pedro en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit au début de ce journal, il y a 16 ans, des éboulements de terrain ont avalé une cinquantaine de maisons à la cité Maman Mobutu. Aujourd'hui, des routes sont défoncées, l'insécurité sont pleines, plusieurs propriétaires ont abandonné leurs maisons. Cité Maman Mobutu ou cité fantôme, c'est le dossier de ce dimanche avec Françoise Bouila. Route de Matadi, de regards inquiets posés sur le cauchemar de la cité Maman Mobutu. Des véhicules roulent sur ceux qui restent des routes modernes de ce quartier résidentiel de 730 villas construit en 1985. Les maisons de la cité Maman Mobutu sont des maisons sans fondation et dès qu'il y a une forte pluie, la maison s'en va avec les eaux. Des pentes, dévaler les collines de ce quartier chic de Kinshasa n'est plus une partie de plaisir. Quartier résidentiel, les pluies torrentielles ont emporté l'asphalte sous le regard impuissant des habitants. Tout le monde craint la répétition du drame vécu en 2008. Il y a eu 50 maisons qui étaient parties en une nuit. Tous les moyens sont mis à contribution pour arrêter la progression de l'eau. Certains résidents accusent une entreprise venue aggraver la situation. À cet abandon vient se greffer l'insécurité. Ngomba oyo et komi place ya ba kuluna ba miyibi ba sase bazo vanda wana ndako eza na coin bayaki kokotela batu wana plus de 30 personnes bango kutu ba déménager ba kini. Baptisé au nom de la mère de feu, le président Mobutu, toute une histoire est en train d'être décimée. La fraîcheur de ces arbres n'attire plus personne. La cité se meurt et se vide. Elle devient l'ombre d'elle-même. Vous savez que la cité Maman Mobutu est située sur une colline. Et la plus grande préoccupation concerne la canalisation des eaux. La cité Maman Mobutu est habitée surtout par des retraités. La plupart sont des retraités, militaires, fonctionnaires et bien sûr des veuves. Plusieurs mandataires publics ont quitté cette colline. Les résistants espèrent toujours protéger les ruines de leurs économies. Aujourd'hui, ils n'ont plus la force de recommencer. L'autorité de l'État, c'est la question que notre confrère Edith Chala aborde dans la chronique et nous allons vous proposer. Il épingle entre autres les comportements inciviques qui bafouent l'autorité de l'État. Suivez. L'autorité de l'État est un concept courant, mais que l'on imagine très souvent dans les zones en proie à l'insécurité. Et il faut la restaurer là-bas. Non, l'autorité de l'État, c'est tout simplement la nomocratie. À Kinshasa, siège des institutions, l'autorité de l'État a besoin d'être vécue. Elle est totalement absente sur la chaussée. Le code de la route est un chiffon pour certaines personnes incarnant le pouvoir public. Le policier qui aide son chef à violer le code de la route le fait avec zèle et croit servir la République qui le paye. C'est lui qui incarne l'autorité, convaincu d'être sorti de la cuisse de Jupiter, tranquillement adossé à son siège de derrière et très souvent au téléphone, pendant que son chien de garde menace le citoyen qui est sur la bonne voie de la chaussée. L'autorité a des urgences. C'est la parade. Imaginez dans les taxibus d'à côté, une mère dont l'enfant est agonisant à l'hôpital,
en train d'aller trouver un cousin qui lui a promis 5000 francs pour la prise en charge de son enfant. C'est à elle qu'il faut déposer la question de l'urgence. L'autorité est pressée, veut violer le code de la route. Le client du Wewa aussi est pressé, il viole le code de la route. Le taximen a le versement à atteindre, il viole le code de la route. Finalement, la chaussée est une jungle, sans loi, au beau milieu des villes congolaises, Kinshasa en première ligne. Ailleurs, lorsqu'on vous arrête, dans ce cas, c'est à l'hôpital qu'on vous amène. On estime que vous ne pouvez pas être normal et aller en sens inverse. Là, on va vous emmener devant l'OPJ. Et donc, après, l'OPJ va vous envoyer à l'hôpital pour faire une prise de sang. Le policier des circulations routières est désarmé. Il n'a aucune force pour empêcher que ses chefs ne violent la loi avec une telle suffisance. Alors, il s'occupe de ce qu'il peut mieux faire. Tracas des plus faibles, les chauffeurs. Ces violations se sont normalisées au point de voir un motard qui conduit avec fierté un diplomate étranger en contresens. Chose que les diplomates ne peut autoriser à un ministre congolais dans son pays. Vous qui avez les charges publiques, vous avez les devoirs d'exemplarité. Sinon, vous n'avez aucun regard à vous faire quand vous regardez la saga des Wewa et des chauffeurs des taxibus sur la chaussée. À leur place, vous feriez peut-être pire. Le code de la route est une loi. Souvenez-vous-en toujours. L'absence de l'autorité de l'État, c'est aussi dans la nuisance sonore. Vous êtes vraiment dans la forêt. Les lions rugissent comme ils le veulent. Les oiseaux chantent à tue-tête. Les arbres de gros diamètre s'écoulent et fracassent tout dans leur chute. Kinshasa, c'est pareil. Les groupes électrogènes, klaxons, les bars et les églises ont en commun les baffles et les amplificateurs. Ils envoient des décibels sans mesure, comme dans la forêt. 24 heures sur 24, une église des si fidèles vous maintient sans gêne aucun, dans un tintamarre intenable. Vous lui faites la remarque, vous êtes précipité en enfer par des prières intenses contre vous, car vous représentez le diable en personne. Le comble, c'est que les églises sont en nombre infini. Elles sont voisines avec d'autres églises ou voisines des bars, chacune envoyant le maximum de décibels pour que le ciel l'entende. Les victimes sont les enfants, les élèves, étudiants, les malades et les paisibles citoyens tout simplement. Elles ne savent à quel saint se vouer. L'autorité de l'État a carrément voyagé. Figurez-vous que Kinshasa ou les autres provinces du pays ont toujours un ministre provincial de l'Intérieur en charge de ces matières et qu'il existe depuis l'époque coloniale une législation contre la nuisance sonore, complétée par les actes réglementaires au fil des ans. Se montrer à la hauteur des fonctions qui vous sont confiées, c'est cela faire vivre l'autorité de l'État. Vous n'avez aucune excuse parce que la puissance publique existe pour vous accompagner. Sévissez tout simplement. Dans le Haut-Katanga, lancement des travaux de construction de routes et d'un marché moderne dans la commune annexe de la ville de Lubumbashi. C'est Madame Mireille Kileshe, bourgmestre de cette entité du chef-lieu du Haut-Katanga, qui a donné le coup d'envoi de ces travaux. Reportage. Comme promis, la bourgmestre de la commune annexée dans la ville de Lubumbashi est en train de réaliser son rêve, celui de doter à la population du quartier, je le cite, un marché moderne, en honneur de la première dame de la République, Denise Nyakiro Tshisekedi. Jeudi 17 août 2023, Mireille Kileshe Sekwe, surnommée Nzovu, qui veut dire éléphante, est allée palper du doigt l'évolution des travaux. C'est un chantier qui tourne en plein régime. Après la construction de la fondation, les travaux sont à l'étape de l'élévation des murs pour la construction des hangars et échoppes. Il y a un adage qui dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Nous devons honorer la première dame de la République. J'ai dit un grand merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous soutient. La construction de ce marché moderne dans ce coin de la ville de Lubumbashi, sur fond propre de la commune annexe, est saluée par la population du quartier, je le cite. Heureusement que pour nous, on a reçu Maman Mireille Kileshe, qui a compris la continuité de l'État. Elle a continué et de façon très accélérée. Le fait d'avoir baptisé ce marché par le nom de Maman Denise Nyakeru, c'est aussi une interpellation pour toutes les mamans de l'accompagner, d'accompagner le chef de l'État dans ses actions et même dans la matérialisation de sa vision. Lors de cette visite, aucun détail n'a échappé à la vigilance de Mireille Kileshe Sekwe. À la fin des travaux, ce marché moderne, Denise Nyakeru Tshisekedi, sera composé de 3 grands hangars qui vont accueillir plus de 2000 vendeurs, 140 échoppes, des bureaux administratifs et sanitaires et même un grand parking.
Toujours dans la vision de développer sa juridiction, l'Anzovu du Haut-Katanga a inauguré une borne fontaine au quartier Kipanta. Le forage de ce point d'eau potable vient résoudre un sérieux problème de la population de ce quartier. Un geste salué par tous. Pour Mireille Kilichesekwe, en dotant le quartier Kipanta d'un point d'approvisionnement en eau potable sur fond propre de la commune et la matérialisation du slogan « Le peuple d'abord » qui traduit la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons dans le Haut-Katanga où un atelier d'évaluation des activités minières a été organisé. D'autres détails dans ce commentaire signé Serge Mata. Créée en 1972, depuis plus d'un an, la Société de développement industriel et minier du Congo fait actuellement face à des multiples défis. Comment alors augmenter, voire renforcer les capacités productives de cette institution? Cette problématique était au centre de cet atelier d'évaluation, au cours de laquelle il a été principalement question de discuter la situation actuelle de cette entreprise publique et de faire le suivi des activités de gestion de ces structures de développement industriel du Congo. À l'issue des travaux, quelques recommandations ont été formulées. Par ailleurs, les comités de gestion de cette institution a apporté son soutien total au chef de l'État à qui il a aussi renouvelé son entière disponibilité, tout en sollicitant l'implication personnelle du président de la République et les concours du gouvernement, les comités de gestion de la SODIMICO. Rassurer en outre les chefs de l'État de son dévouement pour concrétiser par la gestion efficace et saine sa vision d'un Congo nouveau, uni et prospère. Il a par la même occasion félicité chaleureusement le président de la République pour sa réélection au terme des élections de 2023. La journée internationale des douanes a été célébrée le vendredi 26 janvier dernier, occasion pour l'organisation mondiale des douanes d'interpeller les pays membres à tisser des nouveaux partenariats pour une douane productive, nous dit Rikinzu Ziloya dans ce reportage. La communauté douanière du monde entier s'est réunie ce vendredi 26 janvier 2024 pour célébrer la journée internationale de la douane en sa 71e édition sous le thème « Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs ». Thème évoqué dans le mot du secrétaire général de l'OMD, Yann Sanders, par visioconférence. À Kinshasa, la cérémonie organisée par la DGDA à l'hôtel Hilton s'est déroulée sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence du vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Une occasion pour la coordination. Après la présidence de la République, en charge de l'innovation et du changement des mentalités, CICM de remettre des recueils hyperguides de l'agent des douanes. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a félicité le staff actuel de la DGDA pour les meilleures réalisations dans la mobilisation des recettes et l'atteinte des assignations budgétaires pendant une courte durée. Bernard Kabese-Moussangou, directeur général de la DGDA, a salué les efforts de tous les personnels qui ont permis ces réalisations avant de faire un bilan positif depuis qu'il est à la tête de cette régie financière. Dans le secteur fiscal et douanier, il sied de souligner que la corruption et les fraudes sont multiples et diversifiées. Leur ampleur se développe sous l'effet de la mondialisation des échanges commerciaux et de la sophistication des flux financiers et des moyens utilisés par les criminels transfrontaliers organisés. Pour mener à bien son action, la DGDA a informatisé la quasi-totalité des bureaux de douane et numérisé la quasi-totalité de ces procédures de manière à minimiser les intrusions humaines. Cette célébration était clôturée par la cérémonie d'échange des vœux au siège de l'administration douanière entre la haute direction et les cadres et agents qui ont répondu nombreux à cette cérémonie. À l'enseignement supérieur et universitaire, le secrétaire général a eu des entretiens avec différentes délégations syndicales sur les conditions de vie et de travail des fonctionnaires de son administration. Rodé Panda, Irini Nguangou, signé ce reportage.
C'est un véritable devoir de redevabilité auquel s'est livrée la délégation syndicale du secrétariat général de l'enseignement supérieur et universitaire pour la restitution à la base de l'aboutissement de démarches entreprises auprès de l'employeur en vue de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et cadres de cette administration. Le président de la délégation syndicale s'est étalé largement sur les 6 points inscrits dans les cahiers de charges et remis au secrétaire général à l'issue récemment nommé par ordonnance présidentielle. Les premiers points étaient d'abord un problème d'identification des agents. Les deuxièmes points étaient le problème de la rémunération. Troisième point, c'était le social des agents. L'autre aspect, c'était des infrastructures. Il y a un grand problème des locaux et là, je suis en train d'insister, si vous pouvez répéter ça. Nous avons parlé aussi de la carrière des agents. Cinquième point. Il y avait aussi un problème de transport des agents. Voilà quelque sens ce que nous avons voulu retirer aux agents. Tous les points que nous avons soulevés là-bas, il a été d'accord. Ce qui lui revient comme compétence à son niveau, il va le faire. Nous, la direction syndicale, nous faisons le suivi jusqu'à l'aboutissement. Ayant trouvé satisfaction aux préoccupations soulevées, le syndicat ont ovationné leur les syndicats pour les travaux abattus en leur promettant un accompagnement sans faille pour toute action des revendications sociales relatives à leurs droits. Cette assemblée générale des restitutions a permis de baisser une certaine tension en gestation qu'on pouvait observer ces derniers temps au sein du secrétariat général à l'enseignement supérieur et universitaire. Politique, c'est pour matérialiser les idéaux du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'une nouvelle plateforme a été mise en place. Pacte pour un Congo retrouvé, c'est le nom de cette plateforme qui a pour fondateur également Tony Kankouo, représentant de l'autorité morale de l'Alliance des acteurs attachés au peuple. Maloumbela nous en parle dans ce reportage. Par ces signatures qui marquent l'alliance forte entre ces différents leaders politiques est né le pacte pour un Congo retrouvé. Le lancement du PCR a eu lieu le mardi 23 janvier 2024, 3 jours après l'investiture du président réélu Félix-Antoine Tshisekedi. Le pacte pour un Congo retrouvé est une initiative des responsables des regroupements politiques, l'AAP, AUNC, avec en 2028 Code AMC et B50. Ces acteurs politiques congolais, Tony Kankouchikou, Vital Kamerhe, Julien Paluku et Jean-Lucien Boussa sont déterminés à donner à Félix-Antoine Tshisekedi les moyens politiques et institutionnels pour lui permettre d'assurer une meilleure gestion de la chose publique durant son second quinquennat. Nous, en tant que membres de la grande majorité présidentielle de la famille chef de l'État, nous avons décidé de l'accompagner. Nous avons décidé de commencer à travailler sur son programme pour l'aider justement à identifier rapidement les acteurs avec lesquels il va implémenter sa vision. Nous avons décidé ensemble de formaliser ce que nous sommes en train de faire parce qu'on a commencé par travailler d'abord sur la vision du chef, sur ses défis actuels, sur les promesses qu'il a faites à la population. Et ensemble, nous avons décidé de marcher ensemble, de cheminer ensemble dans ce pacte. Cela sera possible notamment par une majorité confortable au Parlement. Les regroupements membres du PCR comptent déjà plus de 200 députés nationaux et provinciaux. Et nous vous invitons aussi à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions porter ces promesses du chef de l'État afin qu'elles se matérialisent pour tout ce Congo profond où nous sommes allés, où nous avons vécu des réalités qui ne sont pas celles de Kinshasa. Nous avons besoin aussi de votre concours, de votre soutien. Et ensemble, nous allons aider le chef et nous allons réaliser ce défi du développement de la RDC. Le pacte pour un Congo retrouvé ne vise que le bien-être du peuple. Ce bien-être viendra par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a des projets de développement pour la République démocratique du Congo. Les grandes personnalités se sont retrouvées ici pour pouvoir soutenir la vision du chef de l'État pour son deuxième quinquennat. Vice-Premier ministre Vital Kamerhe, le nouveau représentant du chef de l'État Tony Kankouchikou, le ministre de l'Industrie Julien Paluku et Jean-Lucien Commerce Extérieur, pour que nous puissions tous ensemble, à travers nos regroupements, pouvoir regarder dans la même direction et gérer la vision du chef de l'État. Et c'est une grande satisfaction et aussi une journée historique. Le pacte pour un Congo retrouvé PCR permettra au chef de l'État réuni d'appliquer aisément sa politique pour l'émergence du Congo car il aura une majorité parlementaire confortable pour l'accompagner du côté législatif et contrôle parlementaire.
Et on va terminer par le secrétaire général de l'UDPS qui a tenu une première réunion de prise de contact avec les élus de son parti et ceux du parti Mosaïque et allié. Augustin Kabuya a appelé à la discipline, à la loyauté, mais également à l'unité au sein de la famille politique du chef de l'État, Alain Mbikaï, pour le compte rendu de cette rencontre. C'est une première rencontre de tous les enjeux du chef de la première force politique du pays et les élus de son parti, ainsi que ceux des Mosaïques de l'UDPS. À cet effet, le secrétaire général de l'UDPS, honorable Augustin Kabuya, a rappelé les uns les autres à la discipline, unité, loyauté et donné la ligne à suivre. Les anciens parlementaires doivent mettre leur expérience au profit des nouveaux venus à l'hémicycle. Selon Augustin Kabuya, les chantages à l'initiateur de ces regroupements pour avoir à tout prix les postes ne sont pas tolérés car le chef de l'État a la liberté de se choisir ceux qui vont l'accompagner pour la matérialisation de sa vision. La majorité appartient à Félix-Antoine Tshisekedi qui avait donné tous les moyens nécessaires pour aboutir à ce résultat et personne ne peut prendre en otage les élites de son regroupement, a insisté Augustin Kabuya. Il a bien pensé de pouvoir approcher, réunir tous ceux qui sont élus députés nationaux ou provinciaux à travers la République, qu'un premier contact avant le palais du peuple se fasse au niveau du parti, que ceux qui ont l'expérience du Parlement voient, comme il venait de le faire d'ailleurs, comment ils peuvent donner quelques idées par rapport au comportement et par rapport au travail. Avec la configuration politique actuelle, l'IDPS et ses alliés sont mieux positionnés. Nous sommes au nombre de 255 députés nationaux, sans parler d'abord des députés provinciaux. Continuons. Avec ce nombre des élus, l'IDP s'impose comme la première force de l'Union sacrée de la nation. Madame, Messieurs, ce journal magazine est complètement terminé. Au nom de Fifi Mukundi, Ramadan Poki, Yolande Voka, nous vous remercions de l'avoir suivi. Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance aux loupards de la République démocratique du Congo. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.